Salut à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau sur Finders Keepers, le serveur US sur Arma 3 Exile, dans la petite base de chez les Calabrais. Et on s'est mis en tête, ces temps-ci, de se fabriquer un engin blindé. Parce qu'on peut fabriquer des véhicules, d'ailleurs nous-mêmes on est des mécanos hein, traditionnellement. Donc on est en train de collecter des pièces pour se fabriquer, je sais pas, un Hunter ou peut-être un Ifrit, ou on va voir. Alors par contre, je vous montre, hein, on n'est pas encore arrivé. Vous allez dans votre menu de craft et vous regardez en armored, admettons le Hunter. Alors il faut un max de scrap, les roues on a, tous les trucs basiques, on a les vitres, ça, bon les échappements il nous en faut deux. On a des moteurs, on manque de pistons, on a deux pistons. Les arbres à cames pour le moment je sais pas si on en a, je suis pas sûr. Ça je sais même pas comment ça se fait le Fortification Upgrade Kit, on verra. Et après, ben, on a une meuleuse, le oil canister, je pense que ça doit pouvoir s'acheter. Et le marteau, j'en ai aucune idée. Et ça, c'est une chèvre pour lever les moteurs, j'imagine. Enfin, un transpalette, quoi. Donc voilà notre mission. Donc, j'attends Colonel Viper qui va me rejoindre sans tarder. Et je pense qu'on va aller faire un tour à la cimenterie parce qu'il y a pas mal de pièces Indus. Et sinon, eh ben, on ira essayer d'embusquer des passants ou des patrouilles AI hein, pour les dépouiller, pour se faire du sou, pour voir s'il y a moyen d'acheter des pistons, acheter des arbres à cames, acheter toutes les merdouilles qui vont nous permettre de fabriquer ce putain de véhicule blindé qui nous permettra quand même de nous promener avec un peu plus de classe que les véhicules standards, quoi, on le mérite, merde. Allez, je l'attends et on y va. On est parti. On va y aller en quad parce que c'est moins repérable que ce superbe véhicule qu'on a volé récemment. Ok, donc Colonel vient de me rejoindre. Il a spawn à Tcherno parce que la dernière fois il s'est fait tuer. Et je vais aller le récupérer. Je vous ai raconté des conneries tout à l'heure. Le welding trolley, c'est pas du tout une chèvre pour relever les moteurs. En fait, c'est un poste à souder. Je suis con, excusez-moi, ça n'est pas grave. Donc on va essayer d'aller faire des pistons, on va essayer d'aller faire des arbres à cam, on va faire de l'indus. Donc, écoutez, je le rejoins. Et puis au pire, si on trouve pas tout ça, on essaiera de faire quelques mauvais coups. Allez, je fais spawn un quad, et je viens vers toi. Là, je vais faire un peu la zone industrielle de Tcherno. Ouais, vas-y, je descends là. Essayer de pas me faire tuer moi-même à l'endroit où on tue tous les gens. Ça peut être une bonne idée. Ouais, c'est vrai. Alors, pour descendre à Tcherno, par où il faut que je passe? De toute évidence, alors, par là-bas. On va essayer de quoi tirer sur les oh là là. Allez. Je vois que le ciel se teinte. À mon avis, le serveur va restart tout à l'heure. Ah, ça tire à Tcherno. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Ça peut être des PNJ. Hein. Ça tire à l'automatique? Non, ça tire en coup par coup là. Ah, ça doit être du joueur. C'est 2-3 petites rafales. Parce que les PNJ, quand ils passent, ils tirent sur les Z. Ah, c'est bien ça. Ouais, ils tirent sur tout ce qui bouge, ils s'en foutent. Je suis à la station service. Okay. Moi, je suis dans le bâtiment de construction là, je vais voir s'il y a du matériel. Ok, je vais refaire le plein vite fait. Si je peux trouver une tenue d'ouvrier, ce serait pas mal aussi. D'ouvrier, c'est un choix. Ouais, une tenue moins orange que la mienne, je prends quoi. Allez, je viens vers toi. Une hache, est-ce qu'on a besoin? Non. Non, puis alors ça c'est le truc qui te fait spotter en orange fluo là, c'est magnifique. Oh putain. Ah, ouais. J'ai des chutes de performance moi ici, là c'est laisse tomber quoi. Ah ouais, Charlot ça pardonne pas. Hein. Ouais, c'est sans pitié. Qu'est-ce qu'on cherche aussi? Des marteaux, on n'a jamais trouvé de marteau. Je sais pas si ça se fabrique, si ça s'achète, j'en sais rien. Alors là sur le serveur, les mecs ils aiment bien, ils posent un quad ici et ils attendent que les gars qui spawnent en Bambi viennent le chercher, ils les tuent. Ah, passionnant. Gameplay d'exception. C'est beau. Je vais faire la Alors petite baraque. J'ai déjà fait par ici. Hein. T'as déjà fait? Ok, d'accord. Ouais. Donc l'imprimerie c'est pas la peine? Wouah, y'a pas full. Enfin y'a pas terriblement de matos dedans.
Alors, je vois un truc qui ressemble à un siège de voiture. Ouais, ouais, bah ça c'est pareil, on a ça. On est garni. Siège, roue, échappement. Scie circulaire, un grinder. Ouais, 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 ça sert à péter les maisons. Ah, je prends pas. Donc. Non, c'est très lourd. Ah, j'ai trouvé une tenue. En plus, il faut des piles. Ah non, c'est du scrap metal. Prends. Ça ressemblait à une tenue un peu de chasse. Ouais, ouais, ouais. Ça aurait pu. Comment je fais pour utiliser la hache? Touche numéro 2 ou 3. 3. Ouais. Mais je te conseille pas d'essayer la bagarre avec les Z. Wow. Ouais. Ils ont toujours gardé le même sound design, c'est ouais, superbe. Bon bah je suis prêt. Bon bah écoute, c'est quoi, on va se rapprocher de la route. Bah là il y a le bâtiment industriel qu'on n'a pas fait. Ouais, pense. Exact. On va y jeter un œil. Et puis après on va se mettre ou alors sinon on part direction Balota. C'est pas très loin, en quad, tranquille. Ça vaut plus le coup, Balo. Bah on peut croiser du PNJ quoi. Balota ou Kamenka, Kamenka c'est un spawn. Bon bah écoute. On est dans la maison non? Non mais alors par contre le son des Z c'est pareil, c'est une catastrophe internationale quoi. Ah. Tu les entends sur ton épaule alors qu'ils sont à 50 mètres et quand ils sont dans ton dos tu les entends pas. Classique. Ouais. Ils ont l'air excités là-haut. Hein. Ah, ils sont vénères parce que là ils nous ont vu tourner depuis un petit moment donc. Ah, d'ailleurs le coup de feu sur le standalone c'est vraiment sonner la cloche du dîner. Hein. Ah bah là. Hein. Là je fais spawn un petit quad. Qu'est-ce que c'est? Oh non, encore un code lock. Oh putain. On pourra le vendre au pire. Ouais, ouais, tout à fait. Vas-y, je t'attends. J'arrive, j'arrive. Hein. Je mets tout ça dans monsieur. Mon sac à dos. Hein. Ça marche. Ah, voilà. Un tournevis. On en a. Donc on est à Tcherno. On va passer à Balota et on va aller jusqu'à Kamenka ou Komarovo. Ouais, on peut peut-être s'arrêter à Komarovo. Peut-être, faut voir. Monter. Oh là là, le tourisme. Le tourisme américain. C'est bon? Ouais. Ouais, vraiment. FPS. Adieu. Oh merde. Oh putain, j'ai pris un buisson. D'ailleurs, peut-être manger un moulage à 69. On va se cacher dans le hangar. Ouais. Des Z? Non, non. Des BND. Non, non. Ça, c'est du joueur, ça. Bon, bah, je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt. Fais gaffe, ça peut arriver. Je couvre la porte. Ok. Allez. Je vais me soigner, moi, quand même, avant, là. Ouais. Moi, je suis assez low en termes de vie. Ah ouais? Je suis à 64, mais ça remonte gentiment. Tiens, je te mets une vichyrine par terre à côté de moi. Ouais. Et je te couvrirai quand j'aurai fini. Ça marche. Vas-y, viens prendre. J'y vais. D'accord. Je vais me soigner. Il a l'air d'être occupé avec les Z. Hein. Ouais, je pense que c'est un gars qui a des problèmes. T'es content de communiquer ou on la bat avant? Non, non, on le bute. Très bien. Bon, ça avait l'air de venir de derrière. Ouais. Il y a un véhicule qui arrive. Ouais. Regarde derrière moi. Ok, je regarde devant, j'y vois rien, il fait nuit, mais c'est pas grave. Ouais, pareil. Il y a beaucoup de Z, hein. Ça va être le bordel. Hein. Ouais, ça, j'ai mis la vision nocturne. Je sais pas si c'est trop tôt, mais. Il y a un Z qui se rapproche de nous. Je m'occupe du Z. Ouais, de toute façon là je le vois pas le mec. Il y a trop de bâtiments ici, c'est ça qui est chiant. Ouais, 15 minutes. Je crois qu'on va pas prendre le risque de la bagarre.
On se barre? Ouais, par là-haut. Ok. Et là où il est, le mec, il est dur à aller pêcher parce que... Il y a tous les bâtiments, les petits Algéco à armes, là. Tu vois quelque chose? Ah, je crois que je le vois courir. Et où? Vers le premier gros hangar, là, il s'approche de la petite tour. Moi, je suis vers la maison, là, avec le terrain de foot. Ah ouais, d'accord. Ouais, je te vois. Non, mais là, il y a plein de Z. Ouais. Qui vont commencer à me saouler, là, il fait moitié nuit. Fais gaffe, hein, il a peut-être un angle de tir sur nous s'il s'est mis à grimper la tour, notre ami, là. Ouais, on est en mouvement et on est loin. Il est dans la tour, il est dans la tour, avant dernier étage. Dernier étage maintenant. Ah ouais. Ah ouais, je le vois. Attends, je vais traiter un Z là. Avant dernier étage, il tente des virgules. Il tire sur mon arbre. Ah, il est dans la tour de contrôle. Ouais, toujours la même. Okay. Je vais reculer un peu pour prendre une autre position. C'est lui qui tire là. Ouais, hein. C'est lui, ouais, je pense. Avec un peu de chance, il va se prendre les zombies en bas de la tour. Ouais. Mais... Sur quoi il tire? Il tire de l'autre côté là-bas. Il tire sur notre droite. J'ai pas de vue sur ce putain de tour, moi je vois que le haut. Il est en bas, il est au pied de la tour entre les rochers à gauche. Ouais. Il est en train de nous flanquer, il y a peut-être plusieurs joueurs pas ensemble mais j'ai pas un azimut, 178. Voilà. Maintenant il est en train de tourner, il est plein sud. Il est en train de nous flanquer. Le petit malin. Fais gaffe, il est plein sud maintenant. Au niveau des arbres. J'ai perdu de vue, mais il était plein sud. Ah putain, c'est les Z qui cassent les couilles là. Où est-ce qu'il est le salaud? Ah putain, il y a trop de Z là. On se replie? Ouais. Oh putain, il va exploser, vite. On dégage. On se replie vers les baraques. Ouais. Attention, ça va péter. Voilà. Ok, j'y suis. Oh putain, il y a déjà un Z sur moi. J'y crois pas. Oh, mais c'est le festival là, non? En jeu. Ok. Et ben on va pas dormir ici parce que là. Je commande un nouveau quad. Ouais. Alors comment on fait déjà? Putain. Ils sont tous en train de monter sur moi là les coyotes. Hein. J'arrive. Pas de problème. Je suis un shérif, j'ai mon pistolet. Ah bon, allez, deux de moins. Putain, j'en ai déjà tué 5 quoi.
Comment ça marche déjà? Monte sur le plat, monte sur le plat. Parce que là, ça peut te tuer. Ah. Ouais. Faut toujours se mettre au-dessus du quad. Sinon, des fois, il glisse un petit peu et bim. Mort. Quad bike. C'est fait. Il prend pas ses balles, hein. Ah, il y a de la D5. Hein. Gilet à matériel amélioré. Double clic dessus. Petit bandage au moins. Fais gaffe, hein, y en a qui explosent. Ouais. Allez, go. Vas-y. C'est parti. En avant. Prends la route. Oh là là, sois prudent. T'as vu cette maîtrise? Ouais, j'ai vu ça. On va aller se poser 2-3 secondes à la cabane maison qui est au carrefour là-bas, voir s'il n'y a pas des PNJ qui passent pour les tuer. Très bien. Tu te planques derrière le mur, le gros mur en béton, t'es dans la cour. Ouais. Et puis on va s'embusquer à côté, on va voir ce qu'il fait. Bon, si ça arrive pas, tant pis. C'est quoi ça? Pas vrai, un mouton noir, j'aime pas ça, c'est la poisse. Oh, j'ai pas vu la barrière. Ah ouais. Et dans le pré à notre gauche, là, il y a les petits, tu sais, les petits triangles en bois pour protéger les arbres. Ça, c'est très dangereux. Ouais. Cache-toi derrière le mur, là. À gauche. Ouais. Vas-y, dans la cour, là. Cour de la maison beige. Nickel. Je vais me mettre à la porte de la maison beige. Moi, comme ça, j'ai visu sur le carrefour. Moi, je vais rentrer dans la maison beige. Je vais voir si je trouve pas une arme dedans. Si, il y a un Mauser. Ouais. De la fenêtre là t'as vu un peu sur le carrefour. Par contre c'est si jamais il passe là c'est tout muré. Là tu pourras pas tirer. Si tu vois des... Tu sais quand tu tues des PNJ, des zombies, ça te rapporte des points de réputation. Ouais. Et si tu vois que ça te rapporte 100 points de réputation, tu te sauves vite, c'est ceux qui explosent. Et y a rien dans leur apparence qui dit qu'ils vont exploser? Non. C'est juste quand tu les tues, tu vois t'as un gros coup de... Alors faut bien faire gaffe aux points quand tu les tues quoi. Et t'as 3 ou 4 secondes pour te barrer. Ah, je vois un joueur. Où? À l'ouest. Azimut 275. Alors. D'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de fouiller les maisons. Il m'a pas vu. Il est vers la baraque en bord de route là-haut? Vers la maison Portugal. D'accord, dans le bourg déjà donc. Ouais. Ah, je l'ai pas encore en visu. Je vais aller dans la mienne de baraque. On va voir si on peut lui faire peur. Oula. C'est pas moi. C'est lui. Je crois qu'il s'occupe, des aides. Donc il n'est pas très prudent. Donc on peut l'attendre. Je pense qu'il va redescendre tout le village tranquillement. Peut-être. J'essaie de le... Ouais, je te vois. Je suis dans la maison moi toujours. Essaie de le garder en visuel peut-être. Oh, on va attendre. J'ai la route bien en visu moi par contre, si jamais il descend vers la route. Je vais essayer d'éviter de faire trop de mouvements. Je vais essayer de monter à l'étage, les... voir si je peux pas avoir un meilleur visu de l'étage. Je vois un zombie qui a l'air de se diriger vers une cible. Ah. Non, à l'étage de cette baraque, il n'y a aucun visu sur rien du tout. Moi je vois des zombies qui se baladent mais je sais pas s'ils ont... Ils ont pas l'air d'avoir un comportement de cible. Voiture qui monte. Je la tente. Ouais. On est tué deux. On est un. Bouge pas. J'ai pas de visuel sur le dernier. Je vais voir. J'ai eu. Bon bah notre ami nous a entendu. Hein. Il est où le dernier?
Je sais pas, je tire quand même parce que je me méfie. Ils nous font toujours un coup de pute, ces coyotes là. C'est bon. Si tu veux venir replier vers toi. Si tu veux venir prendre du stuff, ouais, n'hésite pas. Eh, le Lianfield. Attends, moi je fais le tour par l'arrière. Voiture de PNJ donc. On a gagné une jolie BM. Ah oh, putain, il y en a déjà la moitié qu'on dépop. Vite, vite, vite. Ouh, ça c'est une M4. Serre-toi, serre-toi. M16 à 2. T07. Et gilet tactique. Et le petit casque qui va bien. C'est arrivé à... Oh. Wow. Qui ça? Je sais pas, mais c'est pas moi. C'est plus haut ça, dans le bled. Ouais. On va mettre un peu de... Oh là, c'est moi, c'est moi sur un zone. D'accord, 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 d'accord. J'aurais dû prévenir, je suis désolé. On va... C'est pas grave, on va récupérer de l'armement moderne qu'on va mettre dans la voiture. On pourra peut-être essayer de la mettre à couvert, la voiture, non? Non, on va aller la vendre. La vendre? Ok. Ça arrive encore. Okay. Hop. Fais gaffe. Ça arrive d'en haut. Bon, on essaye de stop encore. Ouais. Facile celle-là. C'est des joueurs? Pas sûr. Par contre, il se barre derrière. J'ai eu un ennemi AI. Moi aussi. On a eu tout le monde sauf le chauffeur. Ils reviennent. Nickel. Ah merde, j'ai plus de balles. Il arrive vers moi. J'espère qu'il va pas me rouler dessus. Je reprends mon arme. Non, il va essayer de se barrer. Il s'enfuit. Coyote. Pas grave. Ah, j'avais pas vu lui. Oh, wow, oh, ça tire. Je crois que ça vient de l'église. Peut-être, ouais. Je vois un zombie, ouais je le vois, à côté de la tour à la porte rouge, près de l'arrêt de bus. Près du cabanon en 304, nord-ouest. Il est en train de se tirer sur un zombie. Tu l'as? Non. Est-ce que tu vois l'espèce de petit cabanon? Ouais, ouais, le transfo est là, quoi. Ouais, il est là, il est derrière, il est derrière. Il attend d'avoir une virgule. Je regarde le côté gauche du cabanon. Il est au côté droit. Merde. Oh putain, j'ai été touché. Je l'ai eu. Ah ouais? Ouais. T'as eu le frag? Ouais. Ennemi fragué de 117 mètres. Nickel. Ah bah tu sais quoi, on prend la voiture et on va aller le voir. Ah bon? Je tire sur un zombie. Hop. Je monte voir en couverture si jamais il y a des mecs qui vont tirer sur moi. Ça marche. On est jumelles. Eh ben, je suis content, j'ai encore quelques réflexes. Ça va, t'as pas pris trop de dégâts? Non, 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 ça va. Bah c'est le joueur que j'ai croisé, hein. Si jamais. Ouais. En tout cas, il lui ressemblait. Oh, il y a une Katiba avec, avec lance-patate. Oh, et lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, il a un... Oh, il a un beau Remington. Je prends la Katiba ou pas? Ouais, prends-la. De toute façon, on va la... On va trier après ce qu'on garde et ce qu'on jette. Alors, qu'est-ce que t'as de beau sur toi, vieux coyote? Deux Instadoc, il a, lui. On va aller... Je vais aller voir les cadavres. Oh, qu'on putain, a eu il, a du... il a de l'armement. J'ai eu la chance d'avoir un clear shot. Hein. Reviens vers moi si tu peux là, ouais. Ouais. On va cover. On laisse tomber les deux trois PNJ qu'on a abattus juste après là, avec la voiture qui s'enfuit. Pour le moment, ouais, on s'en fout. Parce que lui, il a pas moi, mal si de matos. Moi, si t'as un soda, je dis pas non, je suis à 25. Ouais, d'accord, je te mets ça dans la voiture. Bien vite, Thomas.
T'es dedans? Et... On rentre à la maison. Bif! Bof! Bah, c'est pas moi qui reprends après. Hein. On l'a gardé cette BM. Je me suis mis en conducteur pour la faire rentrer. Très bien. Reculez, monsieur. Vas-y, rentre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Déjà, je vais récupérer mon arme. Voilà. Par contre, je vais faire aussi un autre truc. C'est que lui, il a un joli viseur que je vais pas lui laisser. C'est quoi ça? Hélicoptère. Ah merde, j'ai plus de canopneur. On va en prendre un. Waouh, je veux du fumeau. Bon, du bol. Et ça, c'est joueur ou ça peut aussi être. Oh, à mon avis, c'est joueur ça. Mmh. Ok. Et la tente dehors, elle sert à quoi? Ouais, on met de la merde dedans, des trucs de première urgence. Wow. Ah, faut peut-être que j'aille ouvrir en fait. Ouais, attends, je vais me mettre face à la porte pour éviter de te tuer. Vas-y, vas-y. Donc, chez qui faut revendre des trucs? Ah, bah, t'es gentil toi avec la voiture. Hein. Ah, ouais, c'est pas grave, on la réparera plus tard. Ouais, bah, écoute. Ouais. Chez qui je dois vendre mes affaires alors? À l'intérieur, n'importe lequel. On vend tout là, y'a rien qu'on garde? Non, bah si tu veux garder, tu gardes, mais moi je vais vendre. Bah let's go! Allez, montez. Ah ouais, toi tu prends carrément au milieu du bled, pas de pitié. Oh putain! Voiture! On les tue! Oh merde! J'ai tombé par terre! Vite, oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je crois que c'est le quad qui a continué à rouler pendant une seconde. Ah c'est bon, je me relève! Merde, où ils sont eux? Ah, ils sont passés là. Qu'est-ce que je fais? Je suis couché au sol. Bah, lève-toi! C'est bon! Allez, on pack! Ah oui, j'ai oublié qu'on pouvait ranger un quad dans sa poche. Ouais, ouais, bah ça, ouais. Et dès qu'on arrive dans un village, il y a un véhicule qui passe. Par contre, après, tu peux rester 2 heures, il n'y en a plus un qui passe. Je vais redescendre vers la ville. Parce que je pense qu'il y a des voitures qui vont passer. J'y vais aussi. Ouais, direction un peu à gauche, là, ça nous changera. Un peu gauche? Ouais, je fais toujours les embuscades à l'église, moi, mais c'est commun maintenant. Tu vas tuer les gens qui viennent prier? Ah, ça va bien l'église. Oh, ça arrive! Ça arrive ouais. De droite. Je serai jamais assez en place pour les stopper. Moi, ouais, y a moyen que je le sois. Ah non, il monte. Ils nous ont cravatés. Ils sont montés vers chez nous. Tu crois qu'ils nous ont repérés? Non, mais des fois ils tournent pour monter. Allez, donnez-moi un véhicule qui arrive là. Je tire dessus. J'ai trouvé une poubelle. Une poubelle. Ouais. Dans une maison. Oui. Ça me protège bien les casques ou c'est décoratif? Non, normalement ça fait de la protec quoi. Pareil, perso, tout dépend. Il a l'air d'avoir un peu mal. Tout dépend des casques quoi, mais bon. Ça arrive. Quelle direction? Ça arrive de gauche. Ouest. J'ai vu. Fais gaffe, il y en a un qui est sorti du coffre, comme d'habitude. Je vais essayer de Nico. Le back. Nico. Je vais essayer de le contourner, l'autre vilain là. Il est où? Je le vois pas. Pas non plus. Il est pas sur l'intérieur, l'hélico. L'hélico, faut faire gaffe que ça soit pas à des PNJ. Où il est ce connard? Je sais pas. Ah oui, il vient à la cimenterie. Ah, ça tire sur qui là? C'est moi, le zombie. Ouais, mais attends, l'hélico, on va la fuster aussi, non? J'ai essayé. Je sais pas où il est l'autre là. Je sors. Vas-y.
Moi je sais piloter l'hélico hein, si jamais. Non, là, pour moi, donc, je suis à la voiture, ça a l'air tout mort. Ouais, bah moi j'ai killé le coffre. Ok, d'accord, bon, bah, on est bon alors. Bon, allez, les joueurs, ils arrivent vers nous. Hein. Ah bon? Ouais. Eh ben, on va leur dire que c'est pas bon de venir vers nous. Ils arrivent vers le conteneur rouge. Je me planque dans la maison. Ah, ils vont monter en hauteur, non? Je sais pas du tout, mais ils sont deux, au moins deux. Ils longent l'angle ouais, je ouest. Les vois. Ils passent devant. J'en ai tué un. Ok. Ils ont son camarade. Son camarade, il va aller à l'hélico, il va se barrer vite. Je pense qu'ils sont que deux. Je vais vers l'hélico. Ah, attends, attends. J'ai tué celui du hangar rouillé. Hein. Ouais, ouais. Je vais essayer de voler leur hélico. Ah, ah, ah. Ah. Je crois que je vois quelqu'un qui s'approche du hangar rouge, mais c'est pas sûr. Je tente la virgule. J'ai pas de visu au hangar rouillé, moi. Ok. Fais gaffe au site en construction aussi, il y a du visu là-haut. Ouais. Oh, j'ai des frises, c'est affreux. Ouais, c'est infernal. Je m'approche du site en construction. J'essaie de voler l'hélico. Ouais, si tu peux. Attends, il s'est arrêté l'hélico, pourquoi? Mais ils ont coupé le moteur, je pense, non? Ouais, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un. De toute façon, il était pas tout seul. Hein. Il y a personne autour de l'hélico, visiblement. D'accord. J'essaie de partir avec. Tente, mais fais gaffe qu'il y ait personne qui soit en visu, quoi. J'ai l'impression que non. Bah écoute. Je vais faire le tour, hein. Je vais surveiller le bâtiment en construction. Surtout. Ça m'a l'air clear. Hein. Tu veux que je prenne la voiture et je viens en. Ouais, je veux bien. Je viens en diversion. Ouais. Ah putain, il y a encore un véhicule tag. Ouh, ouh, ouh. Ah, j'ai des frises. Oh putain. Affreux. Qui c'est qui tire sur qui là? Pas moi. Ça c'est pas les moi. PNJ qui tirent sur les Z. Oh merde! Putain, je me suis pris une balle par un PNJ de malheur. Oh le coyote. J'essaie de piquer l'hélico. Vas-y, pique l'hélico, moi je reviens. Ah bah à moins que tu puisses venir me chercher un hélico. Il est loqué. Ouais, c'est bon, sauve-toi. Le mec, tu peux aller voir sa carcasse par contre, il est à l'angle, complètement à l'angle novice au bord du hangar rouillé. Ouais, j'y vais. Moi je reviens juste. Oula. Oula, ça tire à balle. Ouais, non, mais ça c'est les. C'est les PNJ. Ouais, je respawn. Oh putain. En fait, j'ai remarqué quand il y a une voiture à eux qui est arrêtée, ils s'arrêtent au site. Ah, oh, j'ai trop de frise, c'est affreux. Ouais, c'est clair. Bon, j'essaye de venir récupérer ma carcasse. J'ai l'impression de jouer sur un PowerPoint. Tout à fait. Accident. Ah, j'ai l'air niqué. Pas grave, on va réparer. Mais faut qu'on se mine de récupérer ma carcasse avant qu'un petit malfaisant passe. Ah, mais j'ai plus de quad moi par contre. Merde. Je suis con, je l'ai laissé sur la cap, route. Tu peux t'en poser un? Ouais, vas-y, pose-moi en un s'il te plaît. Alors, c'est quoi? C'est 6. Par sécurité, je prends un MX. Au cas où. Ok, attends, je m'écarte. Ah, j'ai pas l'extension encore. Bah, je peux plus. On peut pas? J'ai un vélo, mais c'est tout. Non, bah. Bon bah vas-y, emmène-moi à Starry. Ça tire hein. Ouais, c'est pas grave, on n'a pas peur. Ça va être là? Ouais, tu peux me laisser là, je suis à 200 mètres. C'est bon. Allez, on se casse. Je vais essayer de récupérer mes affaires. Il y a un joueur. Où? Au niveau de la sucette. Ah ouais? Ouais. En tout cas, quelqu'un. Hein. Je sais pas si c'est un PNJ, mais à mon avis, c'est un joueur. Oh,
Oh, ça tire, non? Ouais. Ça... Non, ça tape sur une voiture. Je vois le joueur. Engage. Où il est? Ouais. 28 nord-ouest. D'accord. L'autre côté de la route? Tu l'as eu? Ouais, oh, c'était de l'AI. C'était une IA. Très bien. J'entends quelqu'un qui prend des coups. Ah, ça peut être un véhicule qui prend des coups. Même si ça a l'air d'être quelqu'un qui prend des nions. Ah non, ça peut être quelqu'un qui prend des coups aussi, oui. C'est toi là qui tire? Non, non, non. Ça tire à la cimenterie. Hein. Ouais. Ah, je vois un véhicule type hatchback comme le nôtre. Ouais, ça tire à la cimenterie et ça tire... Ça tire bien. Ouais, ça tire quoi, ça tirette. Là, ça peut être du PNJ? Ça peut être du joueur. Véhicule encore qui arrive. On le tente ou on le laisse? Moi, je le laisserai pour déjà régler la situation de la cimenterie. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je le laisse passer. Oh, il s'arrête! Il s'arrête, il s'arrête. Tuer une partie. D'accord. On va t'aider. Il me tire dessus. J'en ai eu un. Ils se font taper par un zombie. C'est bon, j'en ai eu 3. Un. Il en reste? Je crois qu'il en reste un. Je vois rien qui bouge autour de la voiture. Si, dans le. Il est mort, c'est bon. Voilà. C'est quoi? On prend les deux véhicules et on décarre direct. On tente pas l'hélico? Tu veux tenter l'hélico en rush? Ah, on n'a pas le couteau, c'est vrai. Ok. Wow. Oh! Je suis tombé sur un joueur. Sors-toi vite. Il m'a eu. On s'est rencontré à l'angle d'une ruelle. Il vient d'accord. De c'est blunt matchit. Oh putain, lui il m'énerve. Nice bro, nice move. Nice move. Oh putain, je me suis fait avoir aussi. Ah, ils étaient deux. Bah, c'est pas grave. Si pas grave. Peut-être été trop gourmand, je ne sais pas. Ouais, mais ça se tente. Ah, j'avoue que l'hélico il m'a fait rêver là, je l'ai vu. C'est toi qui hurle en jeu là? Ouais, à l'aide. Help me. Bon, ok, on a réussi à récupérer un petit peu d'habillement, un petit peu d'armement sur des PNJ morts. Écoute, on a limité la casse, on aura quand même fait quelques rencontres amusantes. Le gars avec son hélico tout à l'heure, c'est pas assez chaud pour lui. On aurait eu un couteau, on aurait pu tenter de lui voler. On s'en fout, on rigole. On a encore fait du bon fight, c'est rigolo et ça mange pas de pain. Donc, bah écoutez, la nuit va tomber. Allez vous coucher, reposez-vous, tenez-vous en forme et prévoyez de quoi faire les fils des véhicules la prochaine fois, ok? À toutes.